Emmanuel Carrère, istaknuti francuski pisac I reditelj, rođen je u Parizu 1957. Gde je diplomirao na Institutu političkih nauka. Od tinejdžerskih dana piše, a sa 25 godina počinje da objavljuje dela fikcije. Na prelazu dva milenijuma veliki uspeh stiže sa naslovom Protivnik, koji simbolički beleži I njegov poetički preokret. Carrère se više ne kreće stopama fikcije, već vrstom dokumentarne proze u kojoj svedoči o istinitim ljudskim pričama I kompleksnim sudbinama uvek snažno obojenim pečatom autofikcije. Njegovi najpoznatiji naslovi su jedan ruski roman, Limonov, koji mu 2011. Donosi nagradu Renaudot, Carstvo, Joga. U svom parijskom stanu, mirnom delu grada, Carrère kaže da živi u zemlji u opadanju, gde je društvena pokretljivost smanjena. Kako život u takvom društvu deluje na pisca I na spektar njegovog iskustva, jedno je od pitanja o kome razmišlja. Vous êtes né à Paris, dans une famille bourgeoise, mais la vie ne vous a pas conduit loin de vos racines, de vos bases. C'est vous qui l'avez écrit. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est un avantage ou désavantage pour un écrivain? Est-ce que vous aimeriez vivre une vie qui vous conduit ou vous amène loin de vos bases? Ben, c'est ce que si vous voulez, je disais ça. Enfin, pour opposer ma vie à celle de Limonov, le personnage de ce livre, qui lui, si vous voulez, c'est un type de vie où entre le point de départ et le point d'arrivée, toute la trajectoire est très très étendue, et socialement, et géographiquement, etc. Donc à cela, j'opposais la mienne, qui est effectivement avec un domaine beaucoup plus étroit, si vous voulez. J'ai grandi à Paris, effectivement dans la bourgeoisie, et même dans une bourgeoisie intellectuelle, je mène la vie d'un bourgeois intellectuel à Paris. C'est vrai, c'est pas une... Alors... Est-ce que vous aimez cette vie? Oui, bien sûr, cette vie me convient, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir être fasciné par des vies, disons, qui ont une trajectoire, une logique totalement différente. Dans votre dernier roman, Yoga, vous parlez de beaucoup de choses. Vous parlez de la méditation, de la conscience, de la dépression, du terrorisme, de l'amour et beaucoup d'autres choses. Alors, que veut dire le mot yoga pour vous? Il y a une première façon d'appréhender le yoga qui est la plus courante, qui est c'est une forme de gymnastique qui est pratiquement universellement pratiquée depuis au moins 20 ou 30 ans en Occident, parce que tout le monde reconnaît qu'elle est extrêmement bienfaisante. C'est tout de même plus qu'une gymnastique, c'est quand même une discipline qui vise à une transformation de la conscience. Donc c'est un travail sur soi-même. Oui, c'est un travail sur la maturation à travers le corps. Donc il y a des chapitres qui parlent du yoga. Il y en a d'autres qui parlent des attentats à Charlie Hebdo. Mmh. Il y a des passages où vous parlez de la vie triste et touchante des émigrés. Mais le passage le plus poignant, c'est le chapitre où vous parlez de votre dépression mélancolique. La vie fait qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses, notamment cette dépression à laquelle vous faites allusion. Et ça a, disons, donné une forme très très différente à ce livre sur le yoga. Je pense que c'est une pratique qui essaye d'englober le maximum de l'expérience humaine. Et que l'expérience humaine, c'est pas seulement d'être bien en forme physiquement et avec la pensée positive, mais ça implique aussi des choses aussi violente, cruelle, que la dépression, le deuil, la souffrance, quoi, en général, tout ce qui est souffrance dans la vie et qu'on ne peut pas éradiquer. C'est vraiment le cœur de notre condition. Et je pense que essayer de parler de toutes ces choses-là à la fois, qui sont au fond les choses qui... Qui ne vont pas vraiment ensemble, oui.
Bah, elles ne vont pas vraiment ensemble, sauf que justement, elles vont ensemble. Si vous voulez, la souffrance et la joie, ça va ensemble. Ça s'appelle l'expérience humaine. Tokom ovih 10 godina vrlo dobro sam znao da sam srećan. Nastavio sam da to želim tokom cele ove krize, ali i da želim suprotno. Zato više ne idem na seanse kod psihoanalitičara, kao mnogo puta do sad, već sam prvi put u ordinaciji jednog psihijatra. Tog blagog i humanog čoveka koji mi prepisuje jake doze nekog antipsihotika. Iako uverava me, ja nisam psihotičan. Kao jednog stabilizatora raspoloženja. Leka koji se daje ljudima koji pate od bipolarnog poremećaja. Vous avez passé 4 mois à l'hôpital psychiatrique à cause de cette dépression mélancolique qui est un diagnostic grave. Vous voyez, l'adjectif mélancolique, disons qu'il peut être utilisé d'une façon qui n'est pas du tout clinique, qui est purement poétique. Et à ce moment-là, la mélancolie, c'est une chose plutôt presque jolie. Quoi. Après, au sens clinique, une dépression mélancolique, c'est quelque chose de vraiment grave, dans lequel on est vraiment abîmé dans une espèce de profondeur de détresse dont les gens sortent pas toujours. Ça, c'est sûr que c'est vraiment un type de maladie psychique qui se solde quelquefois, mais quelquefois relativement souvent par des suicides, des choses comme ça. Donc, pour ma part, voilà, j'en suis sorti et tout à fait sorti. Mais grâce à Dieu ou grâce à je sais pas quoi, grâce à Dieu, aux médicaments, tout ça. Mais c'est sûr, c'est une expérience psychique assez extrême, oui. Mais vous écrivez dans les livres qu'on vous a administré de très forts médicaments, tels que la kétamine, qui est un remède pour cheval, et après qu'on vous a fait des électrochocs. C'est violent, c'est... Violent, non, parce que c'est tout à fait indolore. Autrefois, il y a des représentations des électrochocs qui sont Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, des choses comme ça, où c'est horrible, ça fait très très mal, tout ça. Là, c'est pas du tout le cas. Mais c'est tout de même une technique thérapeutique qu'on n'utilise pas en première instance. Il faut vraiment qu'on ait un peu épuisé toutes les autres possibilités. Maintenant, vous êtes bien ? Oui, ça va tout à fait bien. Maintenant, bien sûr, on sort de telle dépression, mais on sait qu'il y a quelque chose chez vous, enfin, qu'il y a une espèce de terrain, de capacité à y rentrer, peut-être plus grande que chez la plupart des gens. Donc, on est peut-être plus vigilant, quoi, à ça, en se disant que c'est une menace qui existe. Mais l'écriture, est-ce que ça vous aide ou bien ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que tout ce qui permet de représenter les choses, de leur donner forme, tout ça est d'un grand secours. C'est une des raisons pour lesquelles on fait ça. U subotu ujutru, 9. januara 1993. godine, dok je Jean-Claude Roman ubijao svoju ženu i decu, ja sam sa porodicom bio na roditeljskom sastanku u školi u koju je išao Gabriel, naš najstariji sin. Imao je 5 godina. Isto koliko i Antoine Roman. Zatim smo otišli na ručak kod mojih roditelja, a Jean-Claude Roman kod svojih. Njih je pobio posle obroka. Vous intéressez beaucoup aux personnages réels. Et dans le roman qui a eu un grand succès, c'est L'Adversaire, vous parlez d'un homme, c'est une histoire vraie, qui a tué d'abord sa femme et ses enfants, après il a tué ses parents,
Il a essayé de se suicider lui-même, mais il a survécu. Il a mis moins d'énergie à se suicider lui-même qu'à tuer sa famille. Vous étiez fasciné par cette histoire, c'est une fascination négative, je suppose, mais vous en avez fait un livre. Il y a quelque chose de très vertigineux là-dedans, qui n'est pas tellement les crimes c'est horrible, mais en réalité c'est fréquent. Un type qui tue toute sa famille, malheureusement, ça arrive fréquemment. Donc ce personnage, il a menti depuis 18 ans qu'il était médecin, tandis qu'il faisait rien. Il faisait rien. Il passait ses journées dans sa voiture, souvent sur des aires de parking, d'autoroute. Et donc, si vous voulez, les gens qui mènent une double vie, comme on dit, il y a une vie, je dirais, de façade, une vie officielle, mais qui en recouvre une autre. Les gens qui mènent une double vie, ils sont autre chose. Lui, il n'était rien. C'était une double vie où la façade ne recouvrait rien du tout. C'est ça qui est le plus vertigineux. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'au fond, il a dépensé, pour faire semblant d'être médecin, exactement la somme d'énergie qu'il lui aurait fallu pour être médecin. Ce pourquoi tout le monde dit qu'il était doué, qu'il était un homme intelligent, que c'était... Voilà, ça n'aurait pas dû poser de problème. Mais il s'est enfoncé dans ce mensonge. Et un autre mystère, c'est qu'il n'ait jamais été démasqué. S'il avait été démasqué, ça aurait été sa chance. Parce que ça aurait été une humiliation, mais pas cette catastrophe, si vous voulez plus. Oui, pour sa défense. Il disait qu'il... pouvait pas supporter son mensonge. Oui, il était... Qu'il ne pouvait pas supporter que les gens apprennent la vérité sur lui. Oui, c'est sans doute, c'est pour ça qu'il a tué toute sa famille, certainement. Il ne pouvait pas supporter ce regard. Mais s'il avait été démasqué plus tôt, les choses n'auraient pas tourné comme ça. C'est ce qui aurait pu lui arriver de mieux. C'est pas facile d'écrire sur une histoire pareille. Non. Comment comprendre, en tant qu'écrivain, une expérience aussi extrême? C'est ça le sujet du livre, jusqu'à quel point on comprend. C'est difficile à dire, c'est plutôt... c'est comme si le livre encadrait une espèce de point d'interrogation, quoi, qu'il était... C'est pas vraiment un livre de réponses, c'est un livre qui met en scène les questions plutôt. Je pense que c'est des questions sans réponse, puisque lui-même, je pense qu'il n'a pas la réponse. Mais vous étiez en contact avec lui? Oui, j'ai été en contact. Vous lui avez écrit une lettre? Vous l'avez rencontré? J'ai été en correspondance avec lui. Après son procès, je lui ai rendu visite en prison un certain nombre de fois. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de... qui n'a pas vraiment d'explication à ce qu'il a fait et à ce qu'il a... D'une certaine manière, quand il cherche à donner une explication, il répète ce que disent les psychiatres. Il répète les expertises psychiatriques. Comme si ça lui était extérieur. Comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Mais je dirais que la famille est un grand sujet littéraire. Oui. Mais aussi un grand sujet dans l'envie. Parce que la famille, elle devrait être un lieu où on se sent proche, où on se comprenne, tandis que c'est le contraire. Par exemple, c'est stupéfiant de penser cet homme était marié, il a vécu comme ça pendant 18 ans aux côtés de sa femme, qui, semble-t-il, ne s'est jamais douté de rien. Semble-t-il, comme il l'a tué, on n'est pas là pour le... Mais enfin, tout avait l'air normal. Limonov je bio uličar u Ukrajini. Idol sovjetskog undergrounda, beskućnik, pa sobar jednog milijardera na Manhattanu, pisac u trendu u Parizu, vojnik izgubljen na Balkanu. A sada,
U ogromnom postkomunističkom kupleraju, stari, harizmatični vođa partije mladih desperadosa. On sam sebe vidi kao junaka. Mi ga možemo smatrati Scottom. Ovde ja prestajem da dajem sud. Ali posle anegdote sa umivaonicima u Saratovskoj oblasti, priče koja me naprosto zabavila, pomislio sam kako njegov romaneskan i opasan život nešto govori. Ne samo o njemu, Limonovu, ne samo o Rusiji, već o našoj zajedničkoj istoriji od kraja Drugog svetskog rata. Il y a un autre personnage sur lequel vous avez fait un livre, c'est Edouard Limonov. Et c'est quelqu'un qui est vraiment un personnage très, très romanesque. Limonov a commencé par être un petit garçon dans une... à Kharkiv, qu'on appelait Kharkov à l'époque, dans une espèce de prolétariat. Il est devenu un poète un peu punk à Moscou. Il est parti aux États-Unis où il a été valet de chambre d'un milliardaire, où il a été clochard. Il a vécu en France aussi comme une espèce de petite vedette littéraire. Et ensuite, il est parti devenir quasiment criminel de guerre pendant les guerres des Balkans. Il a fondé un parti très extrémiste en Russie. Il a été en prison. Si vous voulez, c'est des vies comme celles de certains écrivains américains qui couvrent une expérience très, très, très étendue et très diverse. Donc, c'est une existence d'aventurier. C'est l'existence d'un très bon écrivain. Enfin, au moins, qui a écrit plusieurs livres tout à fait remarquables. On ne peut pas lui retirer ça. C'est vraiment un écrivain de talent, un poète de talent. Et pour ma part, je dirais, ça m'intéressait de raconter cette vie un peu bizarre, mais j'avais l'impression surtout que c'était un moyen de raconter quelque chose précisément sur ce phénomène historique qui me fascine toujours, qui est la fin du communisme, enfin, qui est quand même, je pense, un événement gigantesque, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire là-dessus. Je ne savais pas comment, je veux dire, je ne suis pas un essayiste, je ne suis pas... Donc il fallait que je trouve un récit pour raconter ça. Et j'avais l'impression que la trajectoire tellement particulière, tellement étrange, tellement contradictoire de ce type, c'était une façon de raconter ça. Vous dites que dans la fiction, le héros, qu'il touche le fond une fois. Tandis que Limonov, il a touché le fond plusieurs fois. Et il s'est redressé. C'est vrai. Alors c'est peut-être le... Mais il y a beaucoup de choses que j'aime chez lui. Ce que je veux dire, c'est que dans ces rencontres à Moscou, il ne s'est pas passé grand-chose en réalité. C'est pour ça que je n'ai pas poursuivi de relation avec lui. Quand je venais à Moscou, je prenais un verre avec lui. Mais... on n'a jamais créé de vrais liens. Et c'est peut-être très bien pour ça. Non, moi, il y a des choses que j'aime et que j'admire chez lui. C'est cette espèce d'endurance face à la vie, cette façon de jamais lâcher. Et je dirais la façon dont toute sa vie, il a été fidèle à un rêve de petit garçon, qui est vraiment de mener une vie de héros. Il s'est toujours vu comme un héros, il s'est toujours vu comme un personnage de roman, et il y est arrivé. Ça, on ne peut pas lui retirer ça. U jesen 1990. godine, Bog me je pozvao. Malo je reći da mi je danas neprijatno da tako govorim, ali u ono doba sam tako govorio. Predanost veri proistekla iz mog preobraćenja. Imam potrebu da stavljam navodnike. Trajala je gotovo 3 godine. Za to vreme sam se venčao u crkvi, krstio svoja 2 sina. Redovno odlazio na misu. Pod redovnim ne mislim na odlaske svake nedelje, nego svakog dana.
ispovedao sam se I pričašćivao. Molio sam se I terao sinove da se mole zajedno sa mnom, što su kad su porasli, voleli da mi spočitaju. Dans un moment que vous appelez la crise créative, vous avez écrit un grand livre qui s'appelle Le Royaume. Là, vous adoptez une attitude d'inquiéteur qui s'occupe, qui s'intéresse à la naissance de la chrétienté. D'abord, j'ai eu moi-même, et je le raconte dans le livre, une espèce de... Enfin, ce qu'on peut appeler une conversion au christianisme, il y a longtemps, quand j'avais une trentaine d'années. Et je dirais qu'elle a duré de façon active, si je peux dire, avec tout ce que ça peut impliquer, vous voyez, de pratiques religieuses, d'aller à la messe, communier, tout ça, qui a duré pendant quelques années. Je ne me définirais pas comme croyant, mais... Agnostique ? Non, je me définis comme chrétien, mais pas croyant. Je pense qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour être chrétien. C'est pas... Non, je veux dire, l'évangile ne réclame pas du tout qu'on croit en Dieu. C'est... croire en Dieu, je sais pas ce que c'est, quoi. C'est tout, ça, aucune... Ça ne répond à rien dans ma perception, mon expérience, tout ça. Il y avait cet aspect-là, disons une expérience personnelle sur de la foi chrétienne que je voulais essayer 25 ans après d'interroger, je voulais essayer de savoir ce que c'était, dans quoi je m'étais engagé, ce qui était... Donc il y avait cette partie de récit autobiographique là-dessus, mais qui était aussi une réflexion quoi, sur ce qu'est la conversion, tout ça. Et puis, c'est aussi devenu, au fond, un livre, comme vous dites, sur l'origine du christianisme, et plus que non seulement sur l'origine du christianisme, mais sur la naissance des évangiles. C'est-à-dire un peu sur la littérature, parce que si vous voulez, les évangiles, ça fait quand même partie des morceaux de littérature qui ont été les plus... qui ont le plus totalement et radicalement changé le monde. Et je me suis posé la question, après, si on prend un évangile, moi j'ai choisi pour diverses raisons l'évangile de Luc, comment ça a été écrit? Par qui? C'est quoi cette histoire? Qui pouvait être l'auteur de cet évangile? On dit Luc, personne ne sait qui c'est Luc. Qu'est-ce que vous avez découvert sur Paul et Luc qui n'étaient pas connus? Alors, sur Paul, on sait beaucoup de choses, parce que tout simplement, les lettres de Paul, bon, il y en a quelques-unes qui sont discutées, mais enfin, la plupart, elles sont absolument, généralement, considérées comme authentiques. Elles ont été écrites ou dictées par Paul. Ça veut dire qu'on entend la voix de Paul, on sait qui il était, ce qui n'est pas le cas de Jésus. Jésus, on ne le connaît qu'à travers les évangiles, qui sont des témoignages au moins d'une ou deux générations plus tard, qui ont été écrites par des gens qui ne l'ont pas connu. Donc, la figure de Jésus est une figure déjà totalement littéraire. Mais c'est Jésus qu'on connaît pas. Vous voulez découvrir sur lui les choses qui n'étaient pas connues? Ah ben, on essaye d'imaginer, disons, de remplir des blancs. Quand il s'agit de Jésus, on sait beaucoup moins. Encore une fois, on ne le connaît que totalement indirectement. Et puisque j'ai essayé de raconter la naissance d'un évangile et que j'ai choisi Luc, alors là, on ne sait rien. D'ailleurs, on ne sait rien d'aucun des quatre évangélistes. Rien du tout. Et si vous voulez, ça apprend aussi une chose, c'est que le christianisme, cette très grande chose qu'est le christianisme, est une invention littéraire, est une extraordinaire machine de littérature. Je ne dis pas ça en mauvaise part, hein. Pas du tout. J'ai choisi au fond d'ailleurs Luc parce que c'est le plus littéraire des évangélistes. C'est un romancier, il passe son temps à inventer des trucs, à inventer des scènes. On voit quand il les invente, on voit son style. Au bout d'un moment, on reconnaît son style, on reconnaît sa façon de faire. Alors, où on est aujourd'hui avec la religion? Je vous ai dit, c'est une espèce de... malgré tout, une grande proximité qui subsiste avec le christianisme, avec le sentiment évidemment d'être tellement loin de pouvoir, suivre les préceptes des évangiles. Saint Paul a dit la chose définitive là-dessus. Il a dit,
pourquoi est-ce que je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je n'aime pas. Là-dessus, on n'a pas beaucoup avancé par rapport à cette formule. Hein. Même Freud n'a pas avancé par rapport à ça. Oui, mais on vit dans un monde qui n'est pas trop supportable. Est-ce que la religion serait un refuge pour nous tous de ce monde? Bah, si c'en est un, ça ne m'intéresse pas. Moi, je l'avais pris précisément comme ça, pas par rapport au monde, mais par rapport à moi. Je dirais que moi, ma propre vie, ma propre personnalité, ma propre identité m'était tout à fait insupportable il y a une trentaine d'années et que j'ai effectivement trouvé dans la religion un refuge contre ça. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je crois qu'il faut... Alors là, je préfère de beaucoup l'enseignement du yoga, qui n'est pas du tout un refuge, qui consiste à dire, eh ben, ce qui ne va pas, creusons-le. Creusons-le, installons-nous dedans. Ne fuyons pas. Alors maintenant, ouais. Pour ce qui est de la vie extérieure, tout ça, je peux être un peu contradictoire parce que je suis un peu escapiste, comme on dit. La dernière question que je pose à tous les écrivains, pourquoi écrivez-vous? Et pourriez-vous vivre sans écrire? Bien que... Non, certainement pas, parce que c'est la seule chose que je sais faire. Je ne suis pas suffisamment hédoniste pour pouvoir juste simplement jouir de la vie, ou disons, pour pouvoir en jouir un petit peu, j'ai besoin de travailler, j'ai même besoin de travailler beaucoup, et je ne sais rien faire d'autre. Si, un petit peu du cinéma. J'ai eu la chance de pouvoir, finalement, depuis une vingtaine d'années pratiquement, faire un peu de cinéma. J'ai fait 3 films, un documentaire, 2 films de fiction, et ça, c'est très bien, c'est très agréable, c'est très... puis c'est merveilleux parce qu'on travaille avec des gens au lieu d'être seul. Mais malgré tout, mon vrai travail, c'est d'écrire et je pense que vraiment que je ne pourrais pas m'en passer. Quoi, Mais qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, un écrivain? Oui, pas mal de choses. J'aimerais mieux avoir appris un peu sur le monde aussi. Il n'y a pas que moi dans la vie, même si j'ai un peu tendance à penser que oui.